Mais où est-ce que je suis? Hé, hey, c'est qui? Sois patiente, petite abeille. Il est encore trop tôt, mon ange. Oh, mais il faut que je vous raconte mon rêve. Il y avait cette énorme chose jaune et ronde qui brillait et une grande étendue bleue. Oh, les abeilles ne rêvent pas. Pourquoi? Eh bien, elles ne rêvent pas. C'est tout. Oh. Les petites abeilles ne sortent que quand le soleil se lève au-dessus des jonquilles. Pourquoi je ne peux pas faire ce que je veux? Une abeille qui fait ce qu'elle veut? Oh, sois patiente, petite abeille. Tu verras, tu auras toute la vie pour apprendre. C'est quoi une abeille? Oh, une abeille, c'est une gentille petite fille qui fait ce qu'on lui dit. Dors ma petite dans ton nid de cire, ta nounou de gentille petite abeille qui prend de sommeil. Allez, ça suffit, mon ange. Retourne à l'intérieur. Une abeille qui fait ce qu'elle veut. C'est ridicule. C'est nous qui faisons ça? Comment? Oh non, écoute-moi bien. Nous ne te le répéterons pas deux fois. Retourne à l'intérieur. Voilà. Tout va bien. Comme elle est mignonne. Mignonne? Alors, comment s'appelle-t-elle? Voilà, abeille 396. 396. Maya! Alors, quel sera son rôle dans la ruche? Bonjour les travailleuses! Hein? Ah! Ça, c'est marrant! Les abeilles ne s'amusent pas! Descends! Je vois plus rien! Excusez-moi! Qu'est-ce que tu fais là? Je vois plus rien! Je vois plus rien! Je peux pas voir ça! Écoutez ce bourdonnement, Majesté. Que j'aime le chuchotement de ces bonnes petites abeilles qui travaillent si dur pour entretenir notre belle ruche. Ça, c'était trop marrant. Vous avez vu, j'étais là-bas tout en haut et après ça fait bzzz. Oh, Madame Grobidou, c'est trop beau ce que vous avez sur la tête. Ça doit être lourd. Silence! Et nettoie ça maintenant. Ceci est une ruche. Pas un aphronite frelon. Mais enfin, calmez-vous, Buzzlina. Ce n'est qu'une enfant. Je suis sûre qu'il s'agit d'un accident. Si les abeilles se comportaient toutes comme ça, la ruche deviendrait le royaume de l'anarchie. Oui, elle a raison. Chaque abeille a un rôle à jouer dans la ruche, mon enfant. Et c'est quoi mon rôle? Sois patiente, ma petite. Tu le sauras bientôt. Il te faudra d'abord apprendre comment fonctionne la ruche. Mais enfin, Majesté, elle enfreint les règles. Elle doit être punie. Veillez plutôt à ce qu'elle arrive bien à l'école, Buzzlina. Oh, mais bien sûr, votre majesté. Chaque abeille a un rôle à jouer. La reine n'est pas capable de diriger la ruche, Grelet. Nous devons faire quelque chose pour changer ça. Bien, à nous deux, petite peste. De quelle caste fais-tu partie? Des abeilles qui marchent, comme toi, Nigo. Ça, je ne crois pas, non. Les abeilles ne se comportent pas comme ça. Formez les rangs, soldats. Allez, oust! Mmh.
Comme c'est beau. Les feuilles se ramassent à l'appel. Non, ça a dû déjà être fait, ça. Oh, quelle belle couleur! Mais oui, c'est ça! Tout simplement! Quelle belle couleur! Rien de pire douleur que d'être enfermé! Merci, c'est bien! Où as-tu appris à écrire des chansons, toi? Allez, hop! C'est comme si tu voyais le monde pour la première fois! Tu as un don pour la musique, petite abeille! Il suffit juste de dire la! Et c'est un peu pour voir! Allez, à ton tour! La! La? La! La! Ouais, garde-en un peu pour plus tard! Toi, t'es une drôle d'abeille verte! Abeille verte? Alors, c'est vrai, c'est la première fois que tu vois le monde. Pardonnez-moi, mademoiselle. Flip la sauterelle pour vous servir dans la prairie. J'aime divertir. C'est quoi une prairie? Quoi? Tu plaisantes? Ma petite, il faut que je te montre un peu tout ça. Allez, hop! Et voilà. C'est ça, une prairie. C'est chez moi. Tu vis ici, toi? Ouais, mais y a pas que moi. Il y a plein d'insectes ici dans la prairie. Des gros, des petits, des rigolos, des qui sentent mauvais. Il suffit de demander. Tu verras, il y en a partout, en haut, en bas, dans le ciel et sur le sol. De la ruche d'où tu viens, au parterre de tulipes et jusqu'à la tanière de corgaux. Là où les petites abeilles ne doivent surtout pas aller. Pourquoi? Parce qu'un énorme monstre mangeur d'insectes du nom de corgaux habite là-bas. Mais n'en parlons plus. Où sont donc tes amis? Les abeilles ne se déplacent jamais seules. Je ne crois pas que j'ai des amis. Dans la ruche, personne ne m'aime. Peut-être que je ne suis pas faite pour être une abeille. Ça m'a l'air sérieux. Hé hey oh hey, mais qu'est-ce que... Oh, ne dérange pas le grand docteur Flippenstein. Bon, le cœur, ça a l'air d'aller. Dites oh. Ah. Vous saviez ça? Les abeilles ont des dents. Hein? De la cire, un bon bois. Hein? Ah. Je dirais très sérieusement que le diagnostic est positif, cher patient. Tu es une bonne petite abeille. Ne laisse personne dire le contraire. Mais peut-être que l'on devrait quand même te ramener à la ruche. Je veux rester! Allez, hop! Nous approchons des fleurs de saucisse. Mais pas d'inquiétude, la récolte du pollen pourra quand même avoir lieu. Que c'est? Des frelons! Oh non, maman, fleur qui vous sauve! Alors, on a peur, les minuches! Bien, bien, bien. Qu'est-ce que nous avons là? De gourmandes petites boules poilues qui ramassent tout le pollen en oubliant d'en laisser aux autres? Agrippez-vous à vos paniers! Les voleurs de récolte viennent d'arriver. Ne pointez pas ça sur nous, bande de lèche-pottes prétentieux. Les frelons ne sont pas des voleurs. Je vous conseille de repartir d'où vous venez, pillards de pollen. Je crois que je vais pleurer tellement j'ai peur. Vous avez de la chance, on a un campement à installer. À plus tard. Cher voisin. Ils vont s'installer juste à côté de chez nous. Hé, où est mon panier? Ah, tu vois, sale voleur. Retour à la ruche. Nous devons en parler à la reine. Non, Flip, je restais. C'est tellement grand et ensoleillé dehors. Et tellement beau. Et voilà, petite abeille. Je dois filer. Les abeilles n'aiment pas voir d'autres insectes traîner près de la ruche. Non, je veux rester. Ne t'inquiète pas. Tu ressortiras bientôt. C'est vrai? Mais oui, les fleurs et les abeilles vont de pair, comme les araignées et leurs pattes. Mais si tu veux vraiment en savoir plus sur la prairie, tu n'as qu'à appeler le vieux Flip.
Tu pourras me retrouver à là-bas. Les abeilles ne parlent pas aux autres insectes. Ce n'est pas un autre insecte. Il s'appelle Flip. À la prochaine. Allez. Non, attends, Flip, je veux venir avec toi. Attends. Les abeilles ne doivent pas quitter la ruche toutes seules. Retourne au travail. Les abeilles ne doivent pas faire ci, les abeilles ne doivent pas faire ça, blablabla. En tant que conseillère royale, je vous conseillerais de ne pas hésiter et de repousser ces affreux frelons. Mais ils ne nous ont pas attaqués. Eh bien, non, c'est vrai, enfin pas encore. Mais si vous les laissez établir leur campement, toutes les autres tribus suivront, c'est évident. Et à coup sûr, ils transformeront notre prairie en un énorme et horrible nid de frelons, majesté. Ils tueront toutes les fleurs, puis les insectes, et ensuite, ensuite, ils nous mangeront. Il est de notre devoir de leur montrer qui commande. C'est moi qui commande. Rappelez-vous, Buzzlina. Oui, votre majesté. Et voilà, votre majesté, la récolte de gelée royale de l'année. Gros lait, il y a un problème? J'ai l'impression que c'est bloqué, royale conseillère. Eh bien, si c'est bloqué, débloque-le. Moi? Mais... Allez, dépêche-toi. Bien, madame. La gelée royale! Ça sent trop bon. Trop bon? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Ceci est la réserve de gelée royale de toute une année. La vie de la reine en dépend. Elle ne peut rien manger d'autre. Elle ne peut rien manger d'autre. Grelet, est-ce que tu penses à ce que je pense? Oh, que les pinces-oreilles n'ont pas d'oreilles? Je pense que cette gelée royale est tout simplement la réponse à notre petit problème avec la reine. Oh. Je suis désolée, madame la reine. Eh bien, en voilà une entrée. Est-ce que ça va, mon enfant? Oh oui! Toutes ces petites boules de pollen étaient très douces et délicieuses. Oh! Oh, tu es une sacrée coquine, non? Oh, je crois que je vais devoir garder un œil sur toi. Quel œil, madame la reine? Silence! Je t'ai dit de bien te tenir! Et moi, je vous ai dit de l'emmener à l'école. Oui, bien sûr, votre majesté. Fais ça, Buzzlina. Toi, à l'école! La prairie, ce n'est pas que les fleurs et le soleil. Les dangers sont nombreux, comme les frelons. Des frelons? Ah! Tous sans abri! Des frelons! C'était quoi? Oh, Willy, comment veux-tu reconnaître un frelon si tu passes ton temps à dormir en classe? Moi? Oh non, 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 ce sont juste mes yeux. Il faut une petite pause parfois. Oh, c'est pas vrai. Vas-tu arrêter ce vacarme, enfin? Les abeilles ne chantent pas. Mais pourquoi? Parce que chanter donne envie de s'amuser. Et s'amuser donne envie de lambiner. Et une abeille paresseuse... Ah, Gorgo, le monstre dévoreur d'abeilles qui habite dans la haie, adore les abeilles paresseuses. Merci pour cette description vraiment très évocatrice. Nous t'attendions justement, Maya. Maya? Eh bien oui, tu t'appelles Maya. C'est vrai? Maya. Je trouve ça très joli. Maya. Maya. Maya l'abeille! Va par là, mon ange. Assieds-toi. Je voudrais vous parler, Buzzlina. Tu fais quoi? Je m'assois à côté de toi. Mais personne ne veut jamais s'asseoir à côté de moi. Oh, je veux dire, excellent choix, Maya. Je m'appelle Willy. Tu peux rester? Je vais t'apprendre plein de trucs. C'est quand même la troisième fois que je tente mon premier vol. Waouh! Tu vas pouvoir tout m'apprendre? T'es pas comme les autres abeilles que je connais. On n'arrête pas de me le dire. Non, 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 non. C'est une bonne chose, moi, je trouve.
On pourra faire notre premier vol ensemble. Oh, ce serait chouette. Madame la maîtresse, quand est-ce qu'on va faire notre premier vol, hein? Quand? Silence. 396. C'est pas ça. Moi, je m'appelle Maya. Sois patiente, Maya. Il faut d'abord que tu comprennes les dangers qui t'attendent. Nous parlions justement des frelons. C'est quoi un frelon? C'est tout simplement le pire ennemi des abeilles. Ils sont couverts d'écailles, ont des griffes géantes, des yeux rouges. Et ils adorent tremper les petites abeilles dans du pollen avant de les dévorer pour leur dîner. Ils hurlent à la mort et poussent des cris monstrueux dans la nuit. Les vilains parasites qu'ils cachent dans leur duvet sont entraînés à attaquer les frelons. Et si vous les laissez s'approcher, ils suceront votre cerveau jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Désolé. Fiston, tu vas pas te mettre à pigner, hein? J'ai quand même pas élevé une abeille. Oh, papa, je déteste les abeilles. Ah, ça, c'est mon fils. Jouez calmement et ne vous éloignez pas. J'ai l'impression que les abeilles ne sont pas loin. Mais papa, c'est pas juste. J'aimerais tellement voir un de ces suceurs de cerveau. Tu en verras quand tu seras plus grand. Je suis grand. Regarde ce que t'as fait. C'est la troisième fois aujourd'hui. Qui m'a fait chuter, ça imbécile pareil. Ne t'éloigne pas trop, que je puisse te voir. Mais papa... Pas de mais. Je t'ai dit de rester dans le campement. Mais j'y suis pour rien. Activez-vous les pinces, bande de flemmards. Je veux que le campement soit prêt avant la nuit. Je suis bien assez grand. Hey, qui veut rejoindre mon club secret de chasseurs d'insectes? Bande de trouillards. Tant pis, j'y vais tout seul. Et souvenez-vous, les enfants, les insectes mangent les abeilles sans demander conseil. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas faire confiance aux autres insectes. Jamais! D'accord, mais si c'est un ami, ou s'il est très très mignon, ou s'il a besoin d'aide? Je préférerais mourir que demander de l'aide à un autre insecte. Mais c'est pas un peu débile? Je crois que oui. Mademoiselle Cassandre, je te préviens, 396, ne me coupe plus jamais la parole. Tu aimerais ajouter quelque chose, 396? Bien. Mais j'ai rencontré un insecte très gentil, il ne m'a pas mangé. Comment la prairie peut être si dangereuse alors qu'elle est si jolie? Ça n'a aucun sens, c'est vrai quoi. Pourquoi les frelons seraient-ils si méchants alors qu'on ne les a jamais vus? Et c'est qui ce gorgo en fait? Pourquoi une abeille ne peut pas rire ou danser ou jouer ou quitter la ruche quand elle en a envie? Juste parce qu'une vieille abeille idiote et frustrée ne vous laisse même pas chanter une seule note de musique. Très bien, tu es puni, tu ne feras pas ton premier vol. Et aucun autre vol. Suivez-moi les enfants, ne vous éloignez pas et n'oubliez pas de bien battre les ailes. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu n'es pas dehors avec les autres? Bah, je pouvais quand même pas te laisser toute seule. Oh oui, tu es mon meilleur ami pour la vie. Tu es le meilleur. T'es ma première amie aussi. Hein? Non, j'ai rien dit. Qu'est-ce qui cloche chez moi, Willy? Pourquoi personne ne veut de moi ici? On ne peut pas plaire à tout le monde. Il suffit d'arrêter de poser des questions et d'obéir. C'est ce qu'on fait, nous. Mais si tu fais ça, tu ne seras plus la Maya rigolote et faux-folle. Et tu seras comme les autres abeilles. Tu as raison, Willy. C'est moi le problème, et pas la ruche. Je vais aller le dire à la conseillère royale, et à partir de maintenant, je ferai tout ce qu'on me dit. T'es pas obligée de dire que c'était mon idée, Maya. Elle va être super contente. Oh. Grolet, espèce de petit sournois, montre-toi. Je suis là, votre magnificence. Alors c'est fait? Bien sûr, madame. Mon cher Grolet, tu vois, je crois bien que ces affreux frelons ont volé la gelée royale. Mais c'est pas ça, la gelée royale? Il nous faut maintenant trouver ces sales voleurs et détruire leur campement, n'est-ce pas? Ah mais ils ne l'ont pas volé, c'est nous qui... Je sais qu'ils ne l'ont pas volé, mais les autres ne le savent pas, n'est-ce pas, Grolet? Vous êtes là, madame la trousseillère. Je suis venue vous dire... Qu'est-ce que vous faites avec la gelée royale? Silence! Je t'avais prévenu!
Les abeilles ne posent pas de questions. Allez, dehors. Attendez, attendez, madame la conseillère. Vous aviez raison. Je vous promets d'apprendre toutes vos règles. C'est impossible. Il n'y a pas de place pour les enquiquineuses dans la ruche. Non, je peux changer. Je vous le promets, je vais essayer. C'est trop tard, 396. Tu n'as plus ta place ici. Tu es banni de cette ruche. Mais je vais aller où? Mais dans la prairie, avec les misérables insectes comme toi. Si c'est comme ça, très bien. Ils sont beaucoup plus gentils que vous, vieille bique. Oh! Alors vas-y, 396. Ne t'inquiète pas, je suis sûre que la prairie est pleine d'insectes qui t'attendent pour s'amuser. Ou te dévorer. Espèce de vieille bique, vous verrez. Je suis sûre que je trouverai ma place dehors. Wow. Que les petites abeilles puissent survivre dans la prairie, madame. C'est exact. Suis-la discrètement et assure-toi que la nature fasse bien son travail. Oh non, il faut que tu la fasses, Willy. Non, 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 ça va bien se passer. Non, c'est faux. Oh, allez-y, fais. Maya, attends. Maya, Maya. Willy, et jamais, jamais je n'y retournerai. C'est ça, elle est bien bonne celle-là. Tu quoi? La conseillère royale a dit que je ne pouvais pas rester avec vous. Mais même ici, je ne m'en suis pas sortie si bien que ça non plus. Je crois que je serai la bienvenue nulle part, Willy. Maya, c'est dans une ruche que vivent les abeilles. Même moi je le sais. Tu ne peux pas survivre dehors toute seule. Eh bien, je ne suis plus toute seule maintenant. Oh super. C'est juste super. On va se faire dévorer. Flip! Hein? Tu veux me faire flipper, c'est ça? Non. Flip, laisse entrer un peu ma boule. Lui, il sait comment survivre dans la prairie. Il peut me montrer comment faire. Ah non, pas question, il va bientôt faire nuit. Il faut attendre demain matin. Si on se fait manger ce soir, je te le pardonnerai jamais. Est-ce que les grenouilles l'ont mangé? Oh, oui, madame. Excellent. Maya? Willy? Les enfants? Oh.
La feuille recouvre la pierre. Ah, tu apprends vite. Chifourmi. Encore gagné. Miam, miam, miam. Ma fourmi mange ta feuille. Tu regardes dehors en premier. J'aurais quand même regardé en premier si j'avais gagné. Parce que tu vois, moi, je suis comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Willy? Un monstre avec de grands yeux et des énormes dents prêts à nous dévorer. Hé, hey, minute, papillon. Oh, c'est joli. Tu es sûr que c'est un monstre, Willy? Il est parti. Ne t'inquiète pas, je l'ai fait fuir avec... mon cri d'attaque. Merci beaucoup, mon sauveur. Bon, alors, elle est où ta sauterelle, un peu, ma boule? Quelque part dans la prairie. Oh, ça nous avance pas vraiment, hein. On va devoir demander à quelqu'un notre chemin. Oh, Maya, on va finir par se faire manger. Fiston? 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 Mon garçon! Quelle mouche l'a piqué? Il commence à masticoter. Espèce de larve! Comment tu peux dormir alors que mon garçon a disparu? Ça fait pas un peu beaucoup disparu? Hein? Non! Il a disparu! Je ne le trouve plus! Je parie qu'il a dû filer en douce hier. Allez, on bouge! Tout le monde avec moi! Je dois retrouver mon fils! Fiston! Enfin! Allez, Willy, on doit trouver Flip! Oh, je suis fatiguée! Tu es toujours fatiguée! Je suis en pleine croissance! J'ai besoin de sommeil! Ah! Il y a quelque chose sous cette feuille! Peut-être qu'il sait où est Flip! Maya! Qu'est-ce que tu fais? Il n'a pas l'air très dangereux. Il est petit et tout rayé comme nous. Et il brille un peu aussi! Hé, hey, je suis pas petit! Bonjour! Oh, trouve-toi une autre feuille. On cherche un insecte un peu maboule et tout vert qui s'appelle Flip. Tu ne l'aurais pas vu? Des enfantillages. Moi, je recherche un... Non, je peux pas te le dire. Sauf si... tu rejoins mon club des chasseurs d'insectes. Non, un vieux proverbe dit « On n'ouvre pas son cœur à celui qui vient d'ailleurs ». Qu'est-ce que tu racontes? J'habite ici, moi. C'est d'accord. Toi, t'es cool. T'as du cran. Ok, accrochez-vous à vos rayons. Parce que je chasse l'insecte le plus gourmand et le plus dégoûtant de toute la prairie. Dévoreur de miel et suceur de cerveau. Oh, chouette. Ils ont vraiment l'air sympas, ceux-là. Non, tu iras pas. Non, elle veut pas. En avant, chasseur d'insectes. Le danger nous appelle. Au fait, t'es quoi comme genre d'insecte, toi? Je suis du genre piquant. Piquant ou puant? Elle est bonne, non? Allez, sérieux, t'es quoi, toi? Qu'est-ce que tu crois? Je suis un... De frelon! Oh mince, papa! Des frelons! Oh, c'est vrai? Cache-toi, Maya, ils vont te dévorer! Dis-lui, toi, puant! Hé, puant? Oh, je croyais que c'était notre nouveau copain! Oh, les frelons l'ont eu, Maya! Et on est sur la liste! Oh, il y a un vieux proverbe qui dit: si tu restes à l'abri, tu restes en vie! Nous vivons des heures sombres, camarades! La ruche est en grand danger! Aujourd'hui, les frelons ont pénétré la ruche et ont volé la gelée royale. Nous devons la récupérer. Comme vous le savez, la vie de la reine en dépend. Mais nous n'avons aucune preuve. Oh. Grelet, je crois malheureusement que la reine a besoin de repos. Par ici, votre majesté. Il ne faut pas faire de conclusion. Il est temps pour nous de montrer à ces affreux frelons qui dirige cette prairie. Attendez! Maya et Willy ont disparu. Ils ont dû sortir de la ruche. Moi, je ne suis pas leur nourrice. Les enfants sont votre responsabilité. Maintenant, si vous permettez, j'ai une ruche à sauver. Non, attendez, attendez. On ne peut pas rester là sans rien faire, mais... Je n'en crois pas mes antennes. Qui aurait cru qu'une abeille demanderait un jour de l'aide à une fourmi? Je vous en prie, colonel. Pas d'inquiétude, madame. Nous les trouverons. Soldats, nous recherchons deux petites abeilles. Poilues, rayées, des yeux qui roulent et une tête d'ampoule. Compris? Des yeux qui roulent et une tête d'ampoule, chef! Bien. Pierre, Jean-Pierre, par ici. Paul, Jean-Paul, par là. Jacques, Jean-Jacques, de ce côté. Michel et... Jean-Michel. Chef, oui, chef, on chef, oui, chef. Demi-tour! Oui, chef. Non, pas limite. Demi-tour, toi, à gauche. Oui, chef.
Mais non, à ma gauche! Votre gauche quand vous nous faites face ou quand vous nous tournez le dos, chef? Oh, laissez tomber! Chef! On laisse tomber, chef! Oh, allez-y, n'importe où, quelque part, très très loin. Et pas de dégâts cette fois! Je compte sur vous pour ne pas faire de dégâts, c'est clair? Oui, chef! Vous pouvez compter sur nous, chef, pour les chef, dégâts! Oui, chef! D'accord pour les dégâts, chef! Mais non, faut pas en faire non, chef. Vous pouvez compter sur nous, chef! Ah, mon pied! Soldat! Oui, chef! Dégagez! Oui, chef! Chef! Demande permission pour poser une question, chef! Accordé, soldat! Chef, c'est quoi la mission déjà? Trouvez les deux petites abeilles! J'ai un mauvais pressentiment. Et pourtant, je suis pas peureux. Oh, te dégonfle pas, Willy. Ils ont l'air tout petits. Eh oh! N'ayez pas peur, les petits! Nous voulons juste vous demander notre chemin. Tu vois, il n'y a personne. Allons-y. Oh, Willy, allez! Les visiteurs, dites bonjour, les enfants. Vous êtes pile à l'heure pour le déjeuner et j'ai très faim. Et vous, les gars? Regardez, on a du fruit pourri. Alors, les petits pollinisateurs, qu'est-ce qui vous amène dans la maison du papillon de nuit? On cherche un insecte un peu maboule qui s'appelle Flip. Flip la sauterelle? Cool! Il va encore faire du bruit à la grande fête. Oh, une fête? Et comment on y va? Fastoche! Attendez que le soleil se couche, volez toujours tout droit jusqu'à la grande lumière et tournez, et tournez, et tournez, et tournez, et tournez. Je crois qu'on va demander à quelqu'un d'autre, oui. D'accord. Peut-être qu'il sait où est la fête. Non, Maya, ce que tu vois, c'est un bousier. On dit que l'odeur de cette boule peut mettre une abeille KO en plein vol. Ça doit pas être si terrible que ça. Excusez-moi, monsieur le rouleur de bouse. Mais personne ne me parle jamais. On voudrait savoir où est la grande fête. Oh, je ne suis jamais invité aux fêtes. Apparemment, j'ai des problèmes d'odeur. Vous voulez venir avec nous? Oh, merci, ma petite. Mais tous les insectes ne sont pas aussi gentils que toi avec le vieux Kurt. Mais vous, allez-y. Les fêtes ont souvent lieu dans la vallée du Swing. Je vais vous montrer. D'abord, vous allez... Attends, tiens-moi ça. Pour aller à la vallée du Swing, il faut longer le fossé, puis tourner à gauche au niveau des marguerites. Ensuite, vous contournez le territoire de Gorgo en longeant la rivière. Ma pause! Quoi que vous fassiez, ne passez surtout pas par la forêt des araignées! Pas par la forêt des araignées. Compris. Oh, Maya, tu sens mauvais. Tu veux un câlin, Willy? Non. Willy, non. Un petit câlin. Allez, un petit câlin, Willy. Ça y est. Encore quelques huttes et on pourra construire un village. Ah, on est où? Chut, je perçois des ondes d'abeilles. Il y a autre chose aussi. Un truc qui sent fort comme du pollen. Du pollen? Là où il y a des abeilles, il y a toujours du pollen. Ça peut être du pollen. Du pollen. Viens voir papa. Ça sent pas vraiment le pollen. Et ça n'a pas vraiment le goût du pollen non plus. Oh, c'est facile. Il suffit de passer par la forêt des araignées. Il est vraiment bizarre quand même, ce bousier. Je t'avais dit, Maya. La bouse lui a monté au cerveau. Salut, les chasseurs. Salut, Piquant. Chut. On se rapproche de ces affreux suceurs de cerveau. Oh, génial. Génial. Il y a plein d'araignées et des monstres dans cette forêt, Maya. Oh, ouais. Tu vas pas te mettre à pigner, non? Tout le monde va te prendre pour un bébé Minus. Merci. Oh, réfléchis, Willy. C'est quoi comme insecte? Des antennes pointues, des pieds pointus, une queue pointue. Comme un frelon! Où ça? Lui! Il y avait un dessin comme lui dans la ruche. Mais où sont ses yeux rouges? Et il n'est pas un peu petit?
Je suis pas petit. Attendez une minute. Une ruche? Vous êtes des abeilles? Reculez! Ne me sucez pas le cerveau! Regarde! Il change de couleur! Oh! Cours, Maya! Il se transforme en monstre araignée! Un monstre quoi? Bonjour, les enfants! Vous vous êtes égarés? Non, non, non! Voulez-vous vous joindre à moi pour le dîner? J'ai pas très faim. Rigole pas, aidez-moi! Hé, les copains! Il faut qu'on fasse quelque chose! Non, Maya, on va se faire manger par l'araignée! Pas si elle ne nous attrape pas! Qu'est-ce que tu fais? Quatre ailes battent plus vite que deux! Oui. Ici, les amis, j'ai besoin d'aide! Tu bats des ailes! Et je dirige! Comment ça, tu diriges? C'est parti! Attrape-le! Et ne jamais abandonner. Et ça, mon pote, je t'assure que c'est la clé pour devenir un bon pisteur. Tu sais, Jean-Mi, tu as encore plein de caca. Chut. Cette fois, je sens vraiment des ondes. Abeille. On prononce abeille. Hey, mais oh, oh. Respectez la lumière magique. C'est avec joie que nous acceptons votre générosité. Dites bonjour, mes chéris. Bonjour. Bonjour. On en était où déjà? Oh, c'est vrai! La lumière magique! Nous allions tourner, tourner. Là, on a eu chaud! La prochaine fois que vous sauvez la vie de quelqu'un, essayez de ne pas le tuer! Oh! Sauvé par des petites abeilles, c'est pas vrai. Qu'est-ce que va dire mon père? Merci. Vous le connaissez pas. Hein. Et on veut pas le connaître. Allons-y, Maya. Non, oh. Willy, attends. On ne va quand même pas le laisser comme ça. Maya, nous devons trouver la vallée du Swing avant la nuit. Attendez, la vallée du Swing? J'habite juste à côté. Je peux vous y emmener? On n'a pas besoin de ton aide. On sait exactement où on va. Quelque part par là. Tu veux dire vers chez Gorgo? Gorgo? Si vous me tirez de là, je vous montrerai le chemin. Non, Maya, c'est un piège! Mais Willy, lui, il sait où c'est. Et il y a une fête, tu te souviens? Je parie qu'il y a du pollen. Du pollen? Des boutons d'or. Allez, sors de là! Allez, parti! Allez, quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Mais, et pour ton père? Tu ne crois pas qu'il va s'inquiéter? Mon père? S'inquiéter? C'est un gros dur, il s'inquiète jamais. Mon bébé, où il est? Chef! Je me suis mis un truc dans l'œil. Regardez! Hein? Allez-vous-en, sniffer de marguerite! Vous êtes sur notre territoire! Notre territoire? Vous avez jusqu'aux premières lueurs du jour pour quitter notre prairie. Oh, oh vraiment? Est-ce qu'on dit aux guêpes de déguerpir? Qu'est-ce que vous dites de ça, hein? Vous verrez. Allez-vous-en vite fait avant que je vous dépoile. Vous êtes prévenus et vous en subirez les conséquences. Qui a peur des petites bouboules? Continuez à chercher. Piston! 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 Je l'ai. C'est pour moi. Arrête-toi, je l'ai vu en premier. D'accord. Rappelle-toi l'entraînement. Surtout, ne toucher à rien et faire attention de tout laisser comme on l'a trouvé. Peut-être bien qu'ils s'en apercevront pas. Ah.
moment ou jamais pour un tour de libellule. Trop d'art. Tu veux monter, petite? Peut-être plus tard. C'est quand tu veux. Alors, il est où ce fameux flip? Chut, ça commence. Nuisibles en tout genre. Allez, hop! Soyez les bienvenus à la vallée du swing. Balance, Mo! Et maintenant, une petite mélodie. Et l'astibox. Et pour ceux qui ont le cafard, laissez-moi vous présenter les déjantés. Quel public de folie ce soir! Des vers, des moucherons, des grillons, dis donc, sale temps pour les temps! Est-ce qu'il y a des insectes venus de loin? Oh, oh! Bienvenue, ma puce! Est-ce qu'ils t'ont déjà donné un nom? Maya! Maya! Oh, j'aime beaucoup! Et qu'est-ce qui t'amène dans la vallée du swing, Maya? Ben, tu avais dit que si j'avais une question, je devais venir te voir. Dis-moi tout! Il n'y a que des amis ici! Je voudrais savoir... Où est ma place, Flip? Oh, elle est facile, celle-là. À ma connaissance, les abeilles habitent dans les ruches, Maya. Non, ils ne m'aiment pas là-bas. Je suis trop différente. S'il te plaît, tu dois m'apprendre comment vivre ici, dans la prairie. Tiens, prends ça. Maya, toutes les réponses que tu cherches sont ici. Tu n'as qu'à entrer dans la fleur magique et tu seras transformée en insecte respecté de tous et que tout le monde adore. Regardez de quoi sont capables les mystères de la prairie. Je transforme Maya, Sigeli, Sigela, dans la fleur, réponse, tu auras. Alors, ma petite abeille, comment tu te sens? Hé, je suis toujours la même. Exactement, tu n'as pas besoin de mon aide. Sois toi-même. Et tu peux me croire, tout ira bien. Accueillons maintenant cette petite abeille comme il se doit. L'herbe est toujours plus verte de l'autre côté du mur. Il suffit d'observer par-dessus. Tu verras, ce n'est pas si dur. Ce n'est pas si dur. À côté de toutes ces grosses abeilles, on se sent parfois petit. Garde la tête froide et haut. Alors tu vois maintenant à quel point tu grandis. Regarde tes nouveaux amis, ils ne te quitteront jamais. Nous sommes tous des insectes de la même famille, ils démontrent que tu es. Regarde tous ces insectes qui t'aiment, les bons amis sont rares. Scarabée rouge ou bleu tout gras tout pur, peu importe leur histoire, peu importe qui t'entoure. Trouve ce rythme dans ton cœur, sois juste toi-même chaque jour. Secoue-toi, bouge dans tous les sens. Bouge, secoue-toi. Fais-le fort à ton tour et sois toi-même chaque jour. Et n'oublie pas, Maya, tu inspires et tu fais sortir le son. Là, là, je veux chanter des chansons, je veux être libre, je veux être Maya la belle. Star, Maya. Allez, je vais te montrer comment on bouge ici. Fais-le fort à ton tour et sois toi-même chaque jour. Yeah. Éloigne-toi de cette abeille tout de suite. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Ce que mon petit bourdonito déteste le plus, c'est bien les abeilles. Alors retire ton sortilège maléfique. Je te le dirai pas deux fois. Tu t'appelles vraiment bourdonito?
C'est un très joli nom. Papa, je peux tout expliquer. Elle et lui, ils m'ont à moitié sauvé la vie. Mais on n'est pas vraiment amis, ni rien. Oh, je sens une petite tension juste là. Quelle mouche t'a piqué? Desserre les pinces, mon pote. Mangez-vous correctement? Oh, allez, Hank. Elle a sauvé ton fils. Ce poisson-teur t'a sauvé la mise, petite abeille. Tu as de la chance. Mais maintenant, tiens-toi à l'écart de mon fils. Au fait, fiston, tu es puni. Oh. Continue comme ça et tu finiras comme un vrai moucheron. Ne t'inquiète pas. Il est un peu perdu, comme tu l'étais il n'y a pas si longtemps. Il apprendra. Je l'espère. Conseillère royale ? Oui ! Oh ! Je veux dire, je vous en prie. Avez-vous transmis mon message au frelon ? Ils ne veulent pas quitter la prairie, madame. Excellent. Vous pouvez disposer, sergent. Grelet ? Oui, votre sournoiserie, je veux dire, oh. votre comploterie. C'est l'heure. C'est vous qui avez provoqué tout ça, vieille abeille rabougrie. J'aurais aimé qu'il en soit autrement, mais il nous faut une reine forte. Et vous êtes vraiment trop... faible. Grelet, est-ce que tu penses à ce que je pense ? Tout dépend de ce que vous pensez, votre fourberie. Votre Majesté. Bon jeu de jambes, monsieur Millepatte. À la prochaine. Allez, les fourmis qui croient. Ah. La fête des filles. Il faut y aller. Te voilà enfin. Allez, viens. Flip va nous ramener chez nous. Je suis chez moi, Willy. Ici ? Dans la prairie ? C'est ici, ma place. Avec Puant et toute sa bande de vilains frelons qui chassent les abeilles ? Non, avec tous les insectes. Tous les insectes, sauf moi, c'est ça ? Ne sois pas si triste, je viendrai te voir. Pourquoi tu rendrais visite au vieux Willy qui a peur tout le temps et à sa ruche ennuyeuse, alors que tu as tout ça ? J'ai risqué mon dard pour toi. Et c'est comme ça que tu me remercies ? Mais Willy... Avec tous tes nouveaux amis insectes, j'imagine que t'auras plus jamais besoin de moi. Allons, sois pas bête, reste avec moi. Un vieux proverbe dit « Dans la vie, on peut compter sur un ami ». Mais j'imagine que ce dicton-là non plus marche pas. Willy... Willy... Oh, fiston, je sais que tu crois aimer cette abeille, mais elle a semé la pagaille dans ton esprit. Mais papa, toutes les abeilles ne sont... C'est calme, trop calme. Par la pointe de mes pinces. Du pollen, c'est du boulot d'abeille. Ces sournoises grignoteuses de cire nous ont bernés encore une fois. Je t'avais dit qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Mais papa... Rassemblez les 5 bataillons. Si ces boules de poils veulent jouer les durs, je crois bien qu'elles ont mal choisi leur frelon. Oh non... Ah, waouh, si c'est ça la vallée du swing, moi je veux bien me transformer en puce. Oh, formidable, on est perdu. Tu es perdu, petite tête. Mes antennes, elles savent exactement où nous sommes. Ah ouais? Où ça? Chut, chut, chut. Attends. Je sens quelque chose. Des abeilles? Excusez-nous, messieurs. Tout le monde se tait. Chut, chut, chut. Je peux vous assurer qu'il y a une abeille dans le coin. Est-ce que c'est Willy? Nous cherchons une abeille, nous aussi. Ouais, super, ma petite. Moins fort, s'il te plaît. Le détective est dans la place. Michel, Michel, regarde. Rayé, toute poilue, des yeux qui roulent et une tête d'ampoule. Une mouche dorée. Non, une abeille. Oui, une abeille. Une abeille. Une abeille. Et Flip. Eh, Michel, je t'avais bien dit qu'on était sur la bonne piste.
Où étais-tu passée, vilaine? Mademoiselle Cassandra a assez de soucis comme ça et toi, tu disparais dans la prairie. Au fait, est-ce que tu sais que la reine est malade? Les frelons lui ont piqué sa gelée royale. C'est la conseillère! Je l'ai vue avec la gelée royale! Flip, il faut vite qu'on rentre à la ruche! Willy! Bien joué, soldat! Allez, hop! Willy! Willy! Où es-tu? Willy! Nya, 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 je suis chez moi, Willy. Je suis tellement contente ici dans la vallée du Swing. Très bien. Si c'est comme ça, je rentre chez moi aussi et c'est moi qui serai content. Retourne dans ta mare, crapaud. J'ai le bourdon. Oh, du pollen. Non, 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 Willy. Sois fort. Mais tu seras plus fort si tu manges du pollen. Non, 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 non. En avant, Willy, marche. D'accord, vous avez gagné. Donne, 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 donne du pollen. Willy, il est pris dans un tourbillon. On dirait qu'il y a plein de papillons. Non, ce ne sont pas des papillons, mais des chauves-souris. Oh, il faut qu'on fasse quelque chose. Je compte jusqu'à 3 et tu pousses. D'accord. 1, 2, 3, allez, hop. Votez-moi, non! C'est bon, Willy! J'arrive! J'arrive, les enfants! Hey, grandes oreilles! Par ici! Maya! Tenez-vous dans, les enfants! Ça va, les enfants? Willy! Willy! Non, non, réveille-toi, s'il te plaît. Tu m'as dit qu'il y avait du pollen. Willy! Je suis vraiment désolée. Est-ce que tu es toujours mon ami? Bien sûr, on n'abandonne jamais un ami, Maya. Particulièrement quand c'est votre meilleur et seul ami. Oh. Où on est? Chut, c'est la haie de Gorgo. La haie de Gorgo? Par où est la ruche? Flip, on retourne à la ruche, c'est vrai? C'est tout droit après la haie de Gorgo. Non, 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 Maya, il faut absolument faire le tour. C'est vrai, il a raison. On n'a pas le temps, c'est le chemin le plus court. Je vous suis pas, qu'est-ce qui se passe? La reine a besoin de nous, Willy. Je t'expliquerai en route. Elle a plus d'étincelles qu'un tonneau plein de lucioles. Allez, hop! On va se faire manger, c'est sûr! Chères abeilles, j'ai le regret de vous informer qu'après un long combat contre la maladie, notre reine adorée n'est pas, comment dire, à 100%. C'est-à-dire que, eh bien, elle s'est envolée pour la grande ruche du ciel. Elle nous a quittés. Mais toute ruche a besoin d'une reine forte. Et c'est pourquoi moi, le nouveau maître de la ruche, ai le suprême honneur de vous présenter notre nouvelle reine, Bezlina la Conquérante. Mes chères abeilles, observons quelques secondes de silence en mémoire de notre reine bien-aimée. Nous savons tous, hélas, qui est responsable de cette grave injustice. Ces affreux frelons! D'abord, notre pauvre et brave reine. Quelle est l'étape suivante? Notre ruche?
Allons-nous les laisser s'en tirer comme ça, sans rien faire? Non. Aux premières lueurs du jour, nous chasserons ces infâmes prédateurs bourdonnant loin de notre prairie. Oui. Battons-nous pour la reine. Oui. Oh non, Maya et Willy sont là-bas. On y va. Allez, hop. Ah, 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 ah. Pas les pattes, sale ventre. Hé, par ici. Maya, Gorgo va être vraiment très très en colère. Il faut jamais se poser sur un monstre. C'est une question de bon sens. Gorgo n'est pas un monstre, Willy. Hein? Elle a raison. Alors c'est seulement de ça dont tout le monde a peur. Il n'est fait qu'avec de l'herbe. Herbeux ? Oh, ce sont les pires. Willy ! Maya ! Maya ! Maya ! Ah ! Un bébé Gorgo ! Trop, c'est trop ! Maya ? Les enfants, ça va ? À peu près. Je te tire mon chapeau, Maya. Tu as appris quelque chose à un vieil insecte comme moi. Allons-y, avant que ce pauvre vieux Gorgo ne nous tombe dessus. Je suis un bébé monstre abeille. Je viens te sucer le cerveau. Arrêtez ça ! Vous dites n'importe quoi. Les abeilles ne font pas ça et certaines sont gentilles même. Piquant et amoureux d'une abeille. Les cinq bataillons. Soyez les bienvenus, mes frères. Mangez, dansez et soyez féroces. Parce qu'aux premières lueurs du jour, demain, nous écraserons une bonne fois pour toutes tous ces mangeurs de pollen. Oh non, Maya. Halte ! Réservé aux abeilles. Mais nous devons parler à la reine. Comment savoir si tu n'es pas un espion des frelons ? Comment savoir si vous n'êtes pas une grenouille poilue en pyjama ? Le bide. Désolé, ordre de la reine. Flip ! Vas-y, Maya, je reste ici. Attention ! Oh, je crois que j'aime plus trop cette ruche. Oh, comment on va passer les gardes de la reine ? T'inquiète pas, Maya, je m'en occupe. Hé, hey, les bonhommes, regardez ça ! Ouais, 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 où elle est ? Bien joué. Salut. Votre Majesté, vous allez mieux. 396. Mais comment est-ce possible? Pourquoi est-ce que c'est vous qui portez le chapeau en or? Où est la reine? Tu l'as devant toi. Mais qu'est-ce que vous avez fait? J'arrive, votre sérénissime. Des gâteaux au miel tout chaud. Comme vous les aimez. Maya, tu es vivante. C'est... Oh, très très sérieux en fait. Tu n'es pas au courant? Notre chère reine nous a quittés il y a peu. Non! Ne t'inquiète pas, 396. Nous nous vengerons de ces affreux frelons, tu peux me croire. Menteuse! C'est vous qui avez volé la gelée royale de la reine et l'avez cachée! C'est la vérité. Je suis coupable.
Coupable de porter trop d'attention à mes sujets. Si j'avais mieux réfléchi, je n'aurais jamais laissé cet enfant partir seul dans la prairie, c'est une évidence. Pauvre enfant, je crains fort qu'elle n'ait plus toute sa tête. Attendez, elle ment. Vous devez me croire. Je sais où elle cache la gelée royale. Eh bien, si tu en es si sûre, pourquoi ne pas nous montrer où elle se trouve? On y est, elle est là. La pauvre petite abeille à la fièvre de la prairie. Maintenant, tout le monde saura que vous êtes une menteuse. Hein? Mais où elle est? Enfermez-la! Non, lâchez-moi, elle ment! Mais tout cela est pour ton bien, 396. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un campement de frelons à terrasser. Je vous le jure, c'est elle qui l'a pris. Non, lâchez-moi, elle ment. Oh non. Non, les frelons n'ont rien fait. Je vous en prie, croyez-moi. Vous avez dit que c'était une menteuse. Donne-moi ça. En rente, soldat. Willy? Willy, non, t'en vas pas. Ne me laisse pas. Attends, c'est toi, Bouli? Hein? C'est toi, Puant? Il faut prévenir votre reine. Mon père monte une embuscade contre les abeilles. Mais les abeilles montent une embuscade contre les frelons! Flip! Je vais nous sortir d'ici. Non. Non, ne vous endormez pas, s'il vous plaît. Je suis désolée, madame la reine. C'est ma faute. Je voulais seulement savoir comment c'était dehors. Si j'étais restée dans la ruche comme une bonne abeille, je suis sûre que j'aurais pu arrêter la conseillère. Ce n'est pas ta faute, Maya. Tu
Tu as écouté ton cœur. Tu es courageuse. Ne change rien. Reste comme tu es. Réveillez-vous. Maya. Willy, tu es revenu. Oh, être piquant. Je suis vraiment désolée pour ce que je t'ai dit. Je ne le pensais pas. Tu es la meilleure amie qu'un frelon puisse avoir. Maya. Oh, miel alors. Dieu, ça nous sauve. Comment vous avez su que j'étais là? Une sauterelle charmante, un frelon intrépide et une brave petite abeille sont venus me voir et m'ont tout raconté. Votre Majesté, soyez forte. Elle s'affaiblit vite. Il lui faut sa gelée royale. C'est la conseillère royale qui l'a prise. Comment est-ce qu'on va la récupérer? Oh, ça va pas être facile. Les frelons sont sur le point de s'attaquer aux abeilles. Amenez-moi près d'eux. Je suis la seule à pouvoir arrêter ça. On pourrait la porter. On sera trop lent. On n'arrivera jamais à temps. Je m'en occupe. Je vais récupérer la gelée royale et vous, vous me suivez avec la reine. Non, Maya. C'est trop dangereux. Je n'ai qu'une toute petite abeille. Deux petites abeilles. Et un frelon. Et une grande prairie pleine d'amis. Si tout le monde peut le faire, elle peut aussi. Eh bien, tu n'as pas fini de me surprendre. Je suis si fière de toi, Maya. Fais bien attention. Allons-y, chasseurs d'insectes! Le danger nous appelle! C'est mignon. Une belle brochette de voleur de pollen. Harry, à l'attaque, soldat. Oh, il faudrait un miracle pour les arrêter maintenant. Ou un gorgo. Gorgo ? Venez, vous devez me faire confiance. Allez, les gars, qu'est-ce que vous attendez ? Mes chères abeilles, en mémoire de notre défunte reine bien-aimée, battons-nous pour elle! Une nouvelle page de l'histoire des abeilles s'ouvre à nous! Ça suffit, les pipelettes! Massacrez-moi tous ces butineurs de sirop! Bon, allez, à l'attaque! Hein? À l'attaque? D'accord. Premier rang, préparez les champs! J'ai dit à l'attaque, bande d'idiots! D'accord! Mais, Buzzlina... Maintenant, mouche à miel. Vous pouvez lâcher le miel. J'ai dit maintenant. Pas sur nous, guet-pas-foin, sur les frelons. Versez-le sur les frelons. Chargez. Loupé. Sale touffe de poil. C'est toi qui dégages, sale moucheron gras du vide. Croulez. Oh, c'est trop lent. Qui veut un petit mot de croulez? Gorgo. Qui ose déranger Gorgo pendant son sommeil? Ah oh, tout ce bazar donne faim, Gorgo.
droite et non à gauche, à gauche. Je veux vomir. Gauche. Non, l'autre gauche, Jean-Michel. Les vilains s'insèrent. La prairie appartient à tout le monde. Gorgondi, les abeilles et les frelons doivent être amis. Et Gorgondi, donnez du pollen aux petites abeilles quand elles ont faim. Oui. Et laissez les petits frelons explorer la prairie quand ils le veulent. Et pourquoi pas montrer du respect aux bousiers tant qu'on y est. C'est pas faux. Si les méchantes abeilles et les méchants frelons veulent se battre, c'est pas contre Gorgondi. Salut. Elle est avec les frelons. Bourdonito, il a été kidnappé. Mais non, pas du tout. Les frelons et les abeilles peuvent être amis. Regardez. Amis? Pas juste amis, papa. Meilleurs amis. Mais... et notre campement? C'était pas nous. Non. Écoutez, on n'a rien fait. Mais les cabanons des frelons étaient si fragiles qu'ils sont tombés. Fermez-la, bande de fourmis débiles! Attrapez ces sales voleurs de gelée! Enfin! Attendez! Ils n'ont pas volé la gelée royale! C'était la conseillère! Oh. Elle la cache sous sa couronne! Oh, n'importe quoi! Vous feriez confiance à une abeille qui a essayé de vous tromper en se déguisant et qui s'amuse à jouer à des jeux dangereux! Non, papa! Non, papa! Papa! Si on s'y met tous, on peut les sauver! Aidez-nous! Allez, tout le monde! Chacun prend un bout de gâteau! Bourdonitonino. Tu vas quand même pas pleurer, dis-moi. Moi? Oh, non. J'ai juste un truc dans l'œil. Ça, c'est mon père. Gros lait, ma couronne! Regardez! La gelée royale! Voleur! Garde, arrêtez-le! Qu'est-ce que vous attendez? Grolet, cet avorton a trahi la ruche, arrête-le, sinon je t'arrache les poils. Grolet? Ça suffit, plus de mensonges, Buzzlina. Vous avez assez fait de mal comme ça. Hein? Grolet, tu me désobéis? Je te rappelle que je suis ta reine, incline-toi devant moi. Tout le monde, inclinez-vous tous devant votre reine. C'est bien, je préfère ça. Et toi, 396? Alors? Oh? Ah! Eh bien voilà! Allez, C'est impossible! Willy! La gelée royale! Vite! Buvez, votre majesté. Merci, mon enfant. Maya, on a réussi! Ah, Buzzlina. Je sais que ça a l'air... En fait, comment dire... Je l'ai fait pour la ruche! Pour nous! Et je... Je voulais juste que tout le monde soit content. Oh, votre majesté. Mes chers insectes, Maya a dit vrai.
Nous ne sommes pas en guerre contre les frelons, ni contre les autres insectes, d'ailleurs. Hein? Ami? Allez, papa. Bon, après tout, nous sommes amis. Je vous prie maintenant d'accepter mon invitation à la ruche pour tous les insectes qui voudraient profiter de notre fête royale. Oh oui, Maya. Il va sans dire que même les bousiers sont invités. Je suis invité à une fête. Je suis invité à une fête. Oh, il faut que j'apporte un cadeau. Je vais apporter une méga grosse boubouze. Bravoure et les immenses services rendus aux abeilles, je vous déclare tous les deux héros de la ruche. Ça, c'est mon fils. Maya. Mes chers enfants, Maya nous a beaucoup appris et nous a donné une belle leçon. La prairie appartient à tous les insectes, pas juste aux abeilles ou aux frelons. Tous les insectes ont un rôle à jouer dans cette prairie. Oh, et moi, Madame la Reine, vous en pensez quoi? Est-ce que j'ai un rôle? Oh, bien sûr, Maya, et très important même. Et de ce fait, j'ai décidé que tu serais notre ambassadrice. Tu iras explorer la prairie et viendras nous informer de toutes les choses que tu verras. Oh, alors ça veut dire que je suis une petite abeille normale? Oh non. Toi, tu es une petite abeille très spéciale. Oui! C'est bon! Vous avez entendu la rame? Il y a une place pour moi dans la ruche! Youhou! Balance, Flip! C'est parti! Toi, moi, en piste. On ne laisse pas une petite rainette toute seule. Oh. Oh. Vaseline, fais ça. Malheur, la 127, au travail! Il présente Boubouze! Oh, j'adore cette fête! On signale de nouveaux arrivants dans la prairie. Eh bien, nous devrions envoyer quelqu'un pour les accueillir. Vous ne croyez pas? Maya? Willy. Maya! Maya!